Bonjour, vous arrive-t-il des fois de vouloir afficher des messages en fonction du type de device que vous avez? Autrement dit, vous arrive-t-il des fois de vouloir envoyer des messages personnalisés suivant que l'utilisateur dispose d'un Android Phone ou d'un iPhone ou bien d'un Windows Phone ou bien d'un Windows Desktop? C'est ce que nous allons voir, comment avec Xamarin, nous allons pouvoir le faire. La première des choses, c'est d'abord le message d'accueil qu'on a affiché. C'est application Xamarin, bouton label, etc. Nous allons personnaliser cela en disant que si un Android Phone, il faut mettre application Xamarin pour Android. Si c'est un iOS, application Xamarin pour iOS, etc., etc. Donc ce que nous allons faire, c'est d'abord d'enlever cette information. Je vais couper et ensuite je vais rapidement personnaliser ce label. Voilà, comme ça. Ok, donc après avoir personnalisé ce label, je vais créer à l'intérieur un autre label pour le paramètre texte et à l'intérieur, je vais créer une plateforme. Voilà, une plateforme. Donc, une plateforme doit prendre des paramètres. Alors, quels sont les paramètres de une plateforme? Une plateforme doit prendre le paramètre type argument. Alors, type argument, je vais lui dire que c'est une référence à un string. Donc, je mets x string. Et ensuite, je vais faire que ça soit beaucoup plus joli que ça. OK. Ensuite, nous allons lui dire que suivant que ce soit un Android, alors afficher ce message, sorry, excusez-moi. Donc, application Xamarin pour Android, le reste, je pense que c'est bon. Ce que je vais faire, c'est ça, c'est copier. Ensuite, suivant que ce soit du iOS, je mets l'application Xamarin pour iOS. Et suivant, mais devant nous, du Windows Phone, donc je mets alors Windows Phone ou Windows, hein, c'est la même chose. Donc, même chose, application Xamarin pour Windows et Windows Phone. C'est tout. Donc, je répète, dans le label, nous allons le personnaliser. Alors, je vais diminuer le size. Je vais faire du 15. Voilà. Alors, label.txt. Ensuite, on met en plateforme. Suivant la plateforme, qu'est-ce qu'il faut afficher dans la zone de texte? Si c'est un Android, mettre ceci. Si c'est un iOS, mettre ceci. Si c'est un Windows ou un Windows Phone, mettre ceci. Donc, je vais déployer rapidement. Déployer sur Universal Platform. Et ensuite, déployer sur Android. Ok, je vais déployer sur Android. Et je vais exécuter les deux. Voilà, je vais exécuter les deux. Très bien. Nous allons voir comment ça va s'afficher pour Android. Voilà, application Xamarin pour Android, bouton label et entrée. Application Xamarin pour Windows et Windows Phone, bouton label. Voilà. Notre application qui permet de faire le distinguo entre les plateformes. Tout le reste, bien sûr, marche sans problème. Voilà, donc notre application, suivant que ce soit un Android Phone ou bien un Windows Phone ou un iOS, ça fonctionne.